Bon, voilà le début de la rando. Ça y est, c'est parti. C'est parti, on va faire une grosse rando là. Déjà c'est dur. On sent que ça va être un petit peu difficile. Hein. Ouais, ça va être difficile. Déjà, surtout avec ça. Ouais, c'est un petit peu dur déjà pour le début. Hein. Nous voilà partis avec toujours Damien Bushcraft. Et mon fils, là. Et Yaruna, là-bas. Et on est dans les volcans d'Auvergne. Et on va où, déjà? Alors, on va contourner le puits de Com pour aller au puits... Attends, il faut que ça me revienne. Le puits... Attends, ça me reviendra, je te le dirai. Bon, je l'écrirai. Le puits Pariou. Ah oui. Voilà. Ouais. Et donc, on va contourner plusieurs puits. On va passer par trois puits différents. Donc, trois volcans qui sont inactifs. Il vaut mieux. Mais il y a toujours des poches de magma qui sont encore actives, mais ça ne peut pas sortir là où il y a le volcan. Ça et ça sortir. Peut nous réchauffer sous la tente? Non. Ça aurait été bien ça. À 1200 degrés. En fait, quand ça sort un volcan, ça sort à 1200 degrés. Ah oui, je dois dire que donc Dame travaille chez Vulcania maintenant. Mais voilà, on fait des pizzas sur le volcan. On fait des pizzas sur le volcan, les gars. On va se faire un œuf au plat. Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre. Ah, c'est rigolo. Ouais. Et alors, tu as une partie grotte et partie carrière. Première petite montée. Ça monte pas mal. Ouais, je me mets juste en pull, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Nous voilà repartis. On s'est un peu dévêtu parce qu'on avait chaud. Non, en fait, ça fait 3 jours. On a fait demi-tour et on. Pardon, j'ai pas regardé. Si on sait continuer, on continue. Sinon, ouais, il faut longer le chemin, quoi, en fait. Ouais, on longe le chemin. C'est mieux par là. Ouais. Plutôt que dans la gadoue. Ça glisse moins. Pour le feu, ouais. Là. Alors tu voulais grimper alors. Reproduire, ce qui n'est pas le cas de toutes les espèces.
Hello, coucou. Coucou. Il y a des loups et des lynx. Des loups ? Il y a des loups et des lynx. Des lynx ? Bon, ouais. Runa, faudra être pas là. C'est pour ça que je te dis qu'il faudra la passer d'un loup. C'est un son charme quand même, la brume. Ouais. Faut le dire, mais le seul problème c'est qu'on verra pas les pluies à cause de ça. Ah, c'est pas grave. Mais ça a son charme. Quoi. Pas grave, on fait une belle balade. Demain là, hein. Matin, peut-être qu'elle sera dégagée. On aura l'occasion de le voir. Ouais. Quand t'es là-haut, t'as une vue incroyable, t'as tous les pluies. On va prendre à gauche. En fait, le plus dôme, il est là-bas en face. Ah ouais, Runa. Runa ! Ouais, le plus dôme. Elle est là-bas, mais. Ouais, elle est là. En fait. Allez, oh, j'ai l'impression que je vais partir en avant. Bah ouais, c'est normal. Bon, quoi, on s'est une bouffe ici, alors on mange ici. Viens. Ouais, bon, on descend. Pour ça, je regarde déjà si on peut trouver un autre chemin. Joli, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Runa. Ouais, il y a des gens qui sont venus. Enfin, si on revient sur nos pas, on peut revenir et dormir là en dessous, quoi. Soit là, ou soit dans la plaine qu'on avait vue là. Ouais, ce serait bien. Yann, je me suis cassé le coccyx et tout. Ah ouais, mais ça faisait super mal. Je me suis pété la gueule deux fois sur 5 minutes. Ah, c'était incroyable. Il a voulu rattraper son chien, ben voilà. Il est tombé en arrière. Et la deuxième, vas-y, je te laisse la raconter. La deuxième, il prend une marche un peu sur le devant du pied et il glisse sur les genoux. Sympa, ah, c'est beau.
aussi, ramène le pain, le chambon, qu'on se fasse des sandwichs. On prend une tomate. Non, c'est du tomate. Tu touches pas où? Tu touches pas où? Tu touches pas où? Tu touches pas où, sinon moi je peux toucher où? Jamais appris. Oh. Chacun fait sa tâche là. Exciter les atomes quand même. On pas trop de fumée. Là on a pas le choix pour l'instant, mais après. Voilà pour le poulet. Ouais, il est dans la grande poche. Bonsoir. Alors, ce soir, nous faisons un petit repas très sympathique. Pour la bouffe. Ah oui. Avec Yann. Il y a Yann. Ça, c'est le petit déj. Salut. Il y a Yann qui est en train de couper les patates en rondelles. Ça, il aime bien couper les patates en rondelles. Et il y a son père qui est juste là. Dites bonjour. Ouais. Regardez comme il fait ça bien. Ça, c'est de la balle. Ouais. Et Runa, elle attend qu'une chose, c'est bouffer, quoi. Toujours. Toujours en train de bouffer. Elle. Et notre petit feu. Et voilà. On n'est pas bien, là, les amis. Yann, tu fais ça comme un dieu. Découper les patates en rondelles. J'adore. A ton avis, ça va prendre combien de temps de cuisson pour cuire tout ça? Je sais pas. Moi, c'est Nicole. Hein, mais... Ben, 20 minutes. Même moi, je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, on fera à l'œil. Quand, ce sera... Quand tu pourras le manger, ce sera prêt. Quoi. Une fois, j'avais fait des patates pas cuites en bouchecraft. Bonjour, monsieur. Donc il y a Dame qui a envie de filmer parce qu'il fait pas de vidéo lui ce coup-ci, donc non, il a envie non. De donc il aura participé au tournage en tant que, que chef op. Ouais, aujourd'hui je me suis dit c'est tranquille quoi, tu vois, c'est les vacances, on n'est pas obligé de filmer toujours ce qu'on fait.
C'est vrai, hein. Mais n'empêche que c'est ce qu'il est en train de faire, là. C'est ça, quoi. Dit-il. J'ai ma petite bière, moi, quand même. Elle est derrière, je crois, non? Ouais. Attends, on va la faire péter. Bon, allez, je vous montre un peu le feu. C'est magnifique, le feu. Le feu, c'est la vie. Vas-y, tu recouperas en même temps. Oh, elle a pas fait putz. Il boit de la bière, lui. S'appuie sur la braise direct. Voilà. Putain, ça sent la frite. Ah, que dalle. C'est pas cuit. Non. Merde. Bruno. Sinon, comme il disait, 2Y quoi, mais il fallait couper du bois. Coupe pas beau, vas-y. Ici, on entend la chouette hulotte. La chouette hulotte, elle fait coucou loulou, coucou loulou. Ça, c'est la femelle. Ouais. Le mâle, non, c'est le mâle, pardon. La femelle, elle fait cui, cui, cui. Tu vas voir, il va arriver. Le mâle va arriver. Si tu attires le mâle, tu fais le cri de la femelle. Cui, cui, cui. Bah, le mâle, c'est mon fils. Fais gaffe, il va te faire ta fête. Et donc, la femelle fait... Écoute, ça, c'est le mâle que t'entends. Coucou loulou loulou. Ça, c'est le mâle. Ah, écoute, il se rapproche. C'est pas une blague. Oui, oui, oui. Il était là-bas, il est là. Il est juste là. Et la femelle, elle fait... Cui, cu, oui, oui, je veux du cul, tu vois. Cui, cui. Et le mâle, il fait coucou loulou loulou. Enculon, je veux ton coulou loulou. Je veux ton coulou loulou loulou. Enculon loulou loulou. Cui, cui. Bon, ça, ce que je veux dire. Ça y est, j'ai dit. Ah. Tu nous vois. Allô, allô. Ouais. Hein? Ouais. Looks like we saw one more. Ça va? Ouais. Et toi? Allô, allô. Oui, dame, je te reçois. Ah, j'ai filmé aussi, c'était cool. Allô, allô. Bon, ben voilà, on revient de notre balade nocturne. Dame a bien aimé les tokis. Ouais, ouais. Hein? Ouais, c'est cool. Bon, alors on s'est fait une petite virée nocturne avec les tokis. Éclaire-toi, toi. Et on se fait un petit tour, un petit coin du feu, là, tranquille, avant d'aller se coucher. Après, je pense que moi, je vais bien dormir, en tout cas. Bah, j'espère, hein. Ouais, par contre, la fumée, ouais. Ah.
Voilà, ils ont tout dans la gueule. Donc, à demain. Bon, bon, ben, c'est là. Ciao. Allez, tiens. Bonne nuit, dame. Bonne nuit, les gars, bonne nuit. Ciao, ciao. Ciao, demain. On va se coucher. Moi, j'ai pris mon duvet en plume qui est confort pour moins 10. En fait, ça fait moins 5, quoi, je pense. Et dedans, je l'ai mis dedans le Tropen de chez Carencia. C'est le duvet d'été, très léger. Comme ça, c'est comme le Carencia est un peu plus grand, ça fait une petite poche d'air chaud. Voilà. Et j'ai mis une chaufferette au fond. J'aime pas le froid. Voilà. Donc ça va être cool. On va bien dormir, je pense. J'ai ma peau de mouton en dessous aussi. Et on est dans la tente Trek 900 de chez Forclaz. Voilà. On va être bien. Ouais. Yann, tu vas bien dormir? Ouais. Moi aussi. Bonne nuit. À demain. Dame, t'es réveillée? Ouais. Bien dormi? Ouais. Bien dormi? Tout le matin, je n'ai pas énormément dormi. T'as pas le film, la GoPro, là. Il y avait beaucoup de bruit, ouais. Bon. Allez, petit déjeuner. Toi, t'es bien réveillé? Moi, je suis bien. Moi. Je suis au taquet, moi. Je suis prêt à partir. Bon, Yann, on a fait un feu. Yann, debout. C'est la fin de la vidéo. Bon, c'était super. Moi, j'ai pas eu froid cette nuit, c'était bien. C'était bien, ouais. On a bien, ouais, mangé, ouais. Beaucoup de poulet. Beaucoup de poulet. On a fait une belle balade. On a été sur le cratère du volcan de Côme, c'est ça? Non, le Puy de Pariou. Puy de Pariou, pardon. Et Côme, il est juste là. Et Côme est juste là, d'accord. Voilà. Et là, on va repartir. On a fini la vidéo. La rando, le bivouac, bon, c'était cool. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Non, c'était bien. Bon. Super spot pour revenir la prochaine fois. C'est cool, ça. Ciao! Bad luck wind been blowing at my back. I was born to bring trouble to wherever I'm at. Got the number 13 tattooed on my neck. When the ink starts to itch, then the black will turn to red.
I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. Got a long line of heartache, I carry it well. The list of lives I've broken reach from here to hell. Bad luck wind been blowing at my back. I pray you don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. Huh.